faut Kebazim Sambo. Vraiment, on ne peut pas, on va parler de lui du matin au soir pour pas finir les bienfaits ce qu'il a fait pour le village de Bandji Kaki d'abord. Au temps de Bandji Kaki, il était le trésorier du grand GIE de Bandji Kaki. Sur le côté sportif, Kebazim, il nous a accompagnés partout là où la jeunesse était partie. Il a même accompagné. La jeunesse était partie enfin national à Tambacounda. On était ensemble avec le feu Kebazim Sambo. Et il ne cessait de nous appuyer. Je vous dis, avant son décès, il nous a gratifié de 2 G de maillot et 2 paires de blousons qui nous a gratifié avant son décès. Donc vraiment, nous, c'est la jeunesse qui lui doit quelque chose, mais lui, vraiment, on ne peut pas le payer. Bon, l'autre bilan positif, parce qu'on a commencé par Bismillah Rahman, on a terminé Alhamdulillah Rabbil Alamin. Combien d'AIC au Cap? Bon, il y a 14 AIC qui ont participé. 14, on a fait une éliminatoire, c'est-à-dire il y a 2. Chaque AIC a joué 2 matchs, après on a fait un classement général. Les 8 premiers sont qualifiés pour les quarts de finale. Je tiens d'abord à remercier toutes les AIC ici réunies ici au stade de Bandji Kaki. Je ne renouvelle encore notre remerciement et félicitations à l'AIC de Bandji Kaki, à y confiance à la famille Sambou, de Fosse Kebazim Sambou. Et un grand plaisir aussi à tout l'ensemble des 14 AIC qui se sont présentés pour l'organisation de ce tournoi. Par le nom de la famille Sambou, je tiens à remercier à toutes les personnes qui ont effectué le déplacement de loin comme de près pour venir assister à cette finale. Encore une fois de plus, moi, merci à tous. Un très bon match pour les membres aussi de la famille qui sont ici présents, dont je suis le représentant. Je suis content. Qu'est-ce que tu dis? Je vous remercie. Je m'a donné confiance. Je sais que c'est moi, je ne sais pas ce que je veux dire. Demain, on compte.